down our way, both night and day. You know everybody, and they all know you. And even policemen say, how do you do? Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le rasage traditionnel. Aujourd'hui on va utiliser le savon Fine comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, donc le American Blend. Pour la brosse, ce sera un Yaki Brush en 24, donc le Robert, qui reste l'un de mes préférés. Et pour le rasoir, aujourd'hui ça va être un petit peu différent d'habitude, ce sera avec une chavette. Donc chavette qui coûte quoi, 1€ à tout casser, que j'ai récupéré. Hop. Enfin le montage, un petit peu quand même. Donc vous pouvez voir, j'ai coupé tous mes cheveux, j'ai coupé la barbe. Mais bon, ça va repousser, hein. C'est en attendant de pouvoir repartir chercher le barbier. Le petit montage. Donc le savon, il sent le Rive Gauche de chez Yves Saint Laurent. Donc pour vous dire que c'est vraiment une très très bonne odeur. Donc c'est un savon dur, pour ceux qui ne connaissent pas. Il fait... Il fait 100 grammes. Donc là c'est pas en millilitres, 100 grammes. Donc ce qui est fait, voilà, c'est avec le savon dur, c'est que voilà, ça creuse pas tant que ça. On fait le montage maintenant. Oh. N'hésitez pas à aller voir aussi dans la description, parce que voilà, j'ai créé un groupe Facebook avec un ami. Donc on parle de rasage traditionnel et de produits à barbe. Donc vous êtes les bienvenus. Donc tout sera dans la description, il faut juste faire la demande d'adhésion et puis accepter du coup les règles du groupe quoi. Mais bon, ils sont pas énormes les règles. Hop. Pour un coup de chou, pour ceux qui connaissent pas, donc pour une chavette, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un coup de chou, sauf que la lame est interchangeable. Donc pour une lame de rasoir basique comme vous avez tout le temps, quoi, vous la cassez en deux. On est comme un coup de chou, donc moi je mets deux doigts au-dessus, mon pouce en dessous, et un autre doigt ici. Ou après, il y en a qui préfèrent comme ça, mais bon, c'est pareil, quoi. Et après, je trouve que c'est vrai qu'il y a peut-être un meilleur maintien déjà. Il ne faut pas hésiter à tendre la peau quand même, parce que là, c'est... Hop. Bon, moi, j'ai un peu plus de mal avec les chavettes parce que j'ai une peau assez sensible. Coupure. Thank you.
Donc là, normalement, c'est votre poignet qui doit travailler et non le bras complet. Voilà. Alors pour là, tac. Plus compliqué de ce côté-là quand on est droitier. Après, ça vient avec le coup, hein. Faut quand même l'entraînement. Moi, je n'ai pas tant que ça. Je me rase plus avec un DE qu'avec une chavette. Voilà. On se retrouve pour la deuxième passe. Alors voilà, deuxième passe, et ce sera la dernière passe pour moi avec la chavette. Un peu plus compliqué. Donc pour le niveau du cou, je vais faire du bas vers le haut. Et pour les joues, je vais faire en latéral. On va commencer ouais, par le latéral. Ce sera plus simple. Donc toujours bien attendre la peau. Gonfler la joue, c'est plus important aussi. Vraiment faire gaffe avec une chute parce que c'est vrai que ça pardonne pas. Hop. Voilà. On va rincer tout ça, puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, rasage terminé, rinçage fait. Bon, c'était assez compliqué pour moi avec la chavette. Bon, j'ai fait une petite coupure ici, ainsi qu'ici. Mais sinon, après, voilà, quelques petits points de sang par-ci par-là, sans plus. Ce qui va avec la chavette, c'est que ça vous entraîne pour pouvoir, par la suite, passer au coupe-chou. Donc, déjà, il y a moins d'entretien, etc. Mais avant de passer au coupe-chou, ouais, entraînez-vous d'abord avec un DE, ensuite ou même pendant avec une chavette. Et ensuite, dès que vous aurez bien la main avec la chavette, vous pourrez passer au coupe-chou qui est un petit peu plus lourd à mon idée. Pour le prochain salon, ce sera le camélo. Non, camélo. Le extro, excusez-moi, vétiver, donc de chez Don Donato. Donc je le mettrai ici comme la dernière vidéo. avec le rasoir Big Moustache.
J'ai une grosse commande qui va être faite prochainement. Donc j'attends encore un petit peu avant de la recevoir. Et je vous ferai peut-être une présentation de tous les produits qu'il y aura dedans. Donc faut voir d'abord si je vais pas retirer quelques trucs en même temps. Parce que c'est vrai que là, ça fait énormément de produits dans le panier. Pour le groupe Facebook que j'ai créé du coup avec Damien, ce sera dans la description ainsi que mon Instagram et tous mes autres réseaux sociaux. Vous retrouverez aussi tous les sites sur lesquels que je commande, dans lesquels je commande, que je commande, c'est pas français, et avec tous les codes promo, donc avec lesquels j'ai aussi un code promo. Donc Art du Barbier, j'en ai pas, mais je sais qu'ils ont un code promo, donc je vous le mettrai ici. Ça doit être 10%, je crois, un truc du genre, ça doit être 10-15%. Un code que j'ai découvert par hasard en fait sur leur site. Donc je vous le fais partager aussi si ça peut vous faire plaisir. Ensuite, oui, donc je vais recevoir d'autres produits. Donc je vais recevoir un single edge ainsi qu'un nouveau blaireau, etc. Donc je suis en train de voir ce que je vais prendre. Et puis voilà, ouais, pour moi c'est tout. C'est tout pour moi. Si oui, c'est ça que je voulais vous dire. Prochainement, je vais voir pour vous faire une FAQ. Donc, c'est vrai que il faudra que j'en propose de temps en temps pour les nouveaux arrivants. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou par message sur Instagram, etc. J'y répondrai avec plaisir en FAQ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification pour rater aucune vidéo. C'était le rasage d'un temps. À la prochaine. Ciao.